monde. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du store hop. Hier j'avais trop envie d'avoir mon entreprise et du coup de vendre des items, d'avoir des pépettes et tout ça. Là j'ai mon petit caissier, j'ai Bobby le caissier. Et du coup, voilà, j'ai fait passer le tutoriel et du coup, regardez ce que je vends. Et en vrai, moi, je suis fada des peluches TY. Je trouve ça tellement kawaii, tellement trop mignon. Et là, on a des petits snacks Roblox, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, de ce que j'ai compris, je vais pas aller dans stock. Je crois que c'est stock, hein. Stock. Non, c'est pas dans ça. Attends, je vais retrouver inventaire, voilà. Donc je peux choisir le nombre d'items que je veux acheter. Donc genre je peux acheter ça et ça. Voilà, voilà. Attends, on va acheter une autre fois, hein, tant qu'à faire. Voilà, parfait. Et du coup, si jamais c'est vide, je peux re-remplir en appuyant sur stock. Et là, effectivement, par exemple, je vais mettre les bonbons ici. Et là, je vais mettre... merde, je vais mettre les jouets, j'ai mis les bonbons. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire build. Et on va prendre, du coup, un autre truc comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans stock, empty. Et là, cette fois-ci, on va faire les jouets. Voilà, comme ça, on a un maximum d'items. Et comme ça, on va gagner plein de pépettes et on va pouvoir agrandir un petit peu tout ça. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais agrandir le parking parce que du coup, j'ai envie d'avoir plus de... comment... de clients. Donc, écoutez, voilà, voilà. Ça fait déjà pas mal, ça. Moi, j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. Hein. C'est pas dégueulasse, déjà, notre petit store, là. Oh, la vache, il y a du people, hein. Oh là 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 là. Peut-être qu'attends, j'ai l'impression qu'il râle. Je vais mettre un... Attends, c'est dans quoi? Si, je crois que c'est dans Workers. Non, ça, c'est ceux que j'ai embauché. Donc, du coup, je vais aller dans Inventaire. Non, c'est pas ça. Dans Build, voilà. Utilities. Et on va mettre une autre caisse. Je sais pas s'ils peuvent passer par là, en fait. Comment tu veux que je mette la caisse? Vas-y, on va essayer de la mettre là, écoute. Hein. Maintenant, je vais faire... Comment je fais pour embaucher? Georgia, ok. Ok, donc j'espère que ça va fonctionner. Hein. J'espère de tout cœur que ça va fonctionner et que du coup, il n'y aura plus la file d'attente. Est-ce qu'ils vont aller à l'autre caisse ou pas? Ça fonctionne? Ok, c'est bon, ça fonctionne. Cool! Oh la vache, la dévalisation, toi! Alors attends, je vais mettre ça, je vais mettre ça. On va mettre ça, du coup. Je vais racheter un petit peu du stock. T'es pas sérieux? Il y en a qui me jettent des trucs par terre? Mais ils sont dégueulasses les gens, mais non. Mais un peu plus de respect pour mon store là quand même. Pour ma boutique. Non mais d'où? Mais d'où? J'en profite pour faire un bisou à Serpent qui est avec moi. Donc voilà, je te fais de gros gros bisous. Ce qui me dit qu'il est abonné à ma chaîne et que du coup il m'adore et tout ça. Vous êtes vraiment adorable. Donc gros bisous à toi. Et du coup j'ai envie de dire, moi pour l'instant je suis plutôt pas mal au niveau argent. J'essaie d'économiser jusqu'au 4000 parce que de ce que j'ai compris du coup c'est au 4000 que j'ai le level 1. Je pense, hein, je suis pas sûre. Je veux juste voir si je peux pas embaucher quelqu'un qui me nettoie un petit peu mon magasin. Parce que là, quand même, c'est un peu dégueulasse, quoi. Du coup, là, c'est Stalker. Hein, peut-être que lui, du coup, il remet automatiquement. Hein, ce serait cool. Par contre, non, j'ai pas... Parce que je peux pas enlever la bouteille, en fait. Je peux pas enlever la bouteille et... Ah bah voilà, enfin, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie, mais j'y arrive pas. Alors attends, y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait là j'ai tout mis dans mon stock et pourtant ça me dit que je suis à 202 au niveau du storage, j'aimerais bien savoir pourquoi en fait. Ah mais attends, j'avais acheté des trucs aussi mais qui sont pas de mon level encore, c'est pour ça. Non non mais c'est moi tout à l'heure qui ai bugué, c'est ma faute en fait, c'est ma faute. Attends, j'ai 4000, alors attends, ça fait quelque chose? Je peux être level 2? Je sais pas comment être level 2, hein. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Encore une fois, les amis, prenez vraiment pas mal si je réponds pas pendant les vidéos. C'est parce que tout simplement, je suis en train d'enregistrer. Je pense que je suis pas la seule youtubeuse qui ne répond pas pendant les vidéos. Mais pourtant, j'ai l'impression que moi, je suis celle qui en reçoit plein la tronche. Et c'est dommage parce que du coup, je reçois des t'étais ma youtubeuse préférée ou je te déteste et tout ça. Juste parce que je ne réponds pas. Il faut se mettre un petit peu à ma place aussi, les amis, parce que moi, c'est mon travail. Je mets tout mon cœur dans les vidéos, etc. Et je
Franchement, si je fais une vidéo et je réponds aux abonnés, je pense que ça fera un peu bizarre parce que vous, vous amuserez pas parce que du coup, je serai dans le chat en train de parler, etc. C'est logique, je pense que je suis pas la seule youtubeuse à faire ça. Déjà que je réponds à un maximum d'abonnés, je fais de mon mieux. Faut vraiment pas le prendre mal si je vous réponds pas, les amis, parce que des fois, moi, ça me rend un peu triste parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal alors que je tourne juste ma vidéo, quoi. Je peux rien faire d'autre, quoi. En plus de ça, si je mets mes jeux publics, c'est vraiment pour pouvoir jouer avec vous, pour que vous puissiez apparaître dans les vidéos parce que je sais que ça vous fait plaisir, je vous fais des dédicaces, etc. Des fois, j'aimerais un petit peu qu'on me comprenne parce que du coup, je comprends pas pourquoi on me déteste juste parce que je ne réponds pas. À un moment donné, je peux pas tout faire, quoi. Je ne suis pas un robot. Je peux pas tout faire. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le seul truc que je veux vous dire parce que des fois, ouais, c'est vrai que ça m'attriste parce que on me fait la tête juste parce que je réponds pas alors que je fais de mon mieux. Vous savez quoi? Je vais acheter le produit shelf parce que je pense que c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure. Vas-y, on va voir si je peux mettre quelque chose dedans. Alors du coup, on enlève ça, on va faire dans stock. Est-ce que du coup, j'ai de quoi mettre? Ok, j'ai des bananes. J'ai des bananes et ah, ok, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, d'accord. Bah écoutez, au moins, moi j'aurais ça, quoi. Là, est-ce que je peux remplir? Alors, on remplit au niveau bonbon. Là, je peux remplir aussi. Voilà, nickel. Et comme ça, on va commencer quand même à vendre un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux acheter? Oh, sérieusement? Délire. Oh, c'est trop délire. Alors, je sais pas ce que j'ai acheté tout à l'heure, mais... enfin, si, je crois que j'ai acheté que banane et pomme. Alors, du coup, attends, on va faire R et on va mettre l'autre ici. Voilà, nickel. Et on va faire, du coup, le stock et on va mettre les bananes ici. Et comme ça, on va apporter un petit peu plus d'argent. Et là, je pense que c'est plutôt pas mal. Juste ça, on va l'enlever. Enfin, si ça veut bien. Bon, je pense que ce sera plus tard, écoutez. Quand ça veut, je le fais, mais quand ça veut pas, écoutez, je peux rien faire. Et là, du coup, niveau argent, ça devrait augmenter quand même un peu plus rapidement. Donc, j'ai quand même hâte. Je pense que c'est ce qui va m'aider à passer le level 2. J'ai déjà plus de pommes, t'es pas sérieux? Attends, on va aller dans l'inventaire. Du coup, les pommes, on va en acheter 25. Ça, on va en acheter 25. Ça, on va en acheter 25. Et ça, on va en acheter 25. Ah, attends, juste avant ça, on va nettoyer. Du coup, on va faire hop. On va mettre les pommes ici. On va rajouter du stock dans les bananes. Là, on va aussi rajouter du stock au niveau des jouets. Là, on peut rajouter des jouets, mais j'ai pas assez. Et on va rajouter des bonbons ici. Vas-y, on rajoute des bonbons. Et là, l'argent devrait continuer d'augmenter logiquement. Est-ce qu'on peut augmenter le salaire de ceux qui travaillent? Attends, il était à 12 par minute et maintenant, il est à 14. À mon avis, c'est suivant ce que j'ai. Parce que je me dis, si t'augmentes les salaires, peut-être qu'ils sont plus rapides à avoir. Ouais, non. Au final, non. Le stocker, ça... Du coup, en fait, c'est ce qui remet automatiquement les stocks, je pense. Tant que j'ai de l'inventaire. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir comment je pourrais augmenter mon stock à moi, en fait. Genre là, en fait. Là, j'ai 300. Et là, c'est pour auto-remplir. Donc, il faut que j'ai l'autre, là. Mais j'aimerais augmenter mon stock. En tout cas, elles font fureur, mes pommes. Hein, mes pommes bio. C'est des pommes bio. Elles sont bonnes, mes pommes. Il y a même des fermiers, tu sais, qui vont les acheter. Eh non, mais franchement, les pommes, ça rapporte de malade. Eh, vas-y, rien à foutre. Hein, j'en rachète des pommes. Hein. Vas-y, j'en achète plein. Voilà, voilà. Comme ça, on va pouvoir directement remettre du stock. Vas-y. On va vendre tout ça. Et franchement, mes fruits label bio. Là, j'ai envie de dire, là, je mets ça en avant. J'avais zappé, mais c'est vrai que tu peux mettre des bonbons ici, vers les caisses. Alors, attends, j'en mets. Et tant qu'à faire, autant saucer du stock de partout, hein. Ah ouais, mais j'avais zappé, mais c'est trop cool. Mais c'est tellement méga giga trop cool. En vrai, là, je peux faire un stock de malade, là, quand même. J'en suis au niveau de ça. Ah, là, du coup, ça a augmenté à 5000. Ah. Pourquoi pas, hein, tu vas me dire, peut-être qu'on va les avoir rapidement, en tout cas je croise les doigts. Attends, de ce que je vois, j'ai les beach balls, j'ai les bouncy balls, donc tu sais quoi, vas-y. On va aller dans build, on va acheter ça, que je vais mettre ici, ok. Et du coup, on va rajouter du stock, hein, vas-y, hein. Tant qu'à faire. Vas-y, on vend tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, je fais une petite supérette toute mignonne, là. N'empêche, ce jeu, il est trop cool. Il est tellement méga giga trop cool. Niveau stock, là, est-ce que je peux remplir? Est-ce que j'en ai dans mon inventaire? J'ai des jouets. Alors, à rigueur, je peux mettre les jouets ici. Faut que je rachète des bonbons. Donc, attends, je vais essayer d'acheter 25 de chaque, histoire... Ah, merde, j'ai plus de place. Les bonbons, j'en ai racheté ou pas? Ah, j'en ai pas racheté, en plus.
J'en ai pas racheté, par contre, j'ai racheté ça. Donc, du coup, ça va me libérer de l'espace. Du coup, je peux aller dans inventaire et racheter des candies. Voilà. Et du coup, hop, on met les candies ici. Nickel. Là, les pommes, on peut en remettre. Les bananes, on peut en remettre. Les bonbons, bah du coup, j'en ai plus. Là, est-ce que je peux en remettre? Vas-y, on en remet. Tant qu'à faire. Et alors, attends. Du coup, là, on va re-racheter tout ça. C'est ce qui part le plus vite, surtout les bonbons. Donc, les bonbons, je vais faire vraiment le stock parce que du coup, je peux en mettre ici. Je peux en mettre aux caisses. Donc, c'est pas dégueulasse. Au niveau vente, c'est vraiment ce qui rapporte aussi un maximum. Et du coup, bah là, niveau argent, ça devrait augmenter assez rapidement. Quoi, j'ai mis des pommes ici? Pourquoi j'ai mis des pommes? Mais qu'est-ce qui me passait par la tête? Je voulais mettre des bananes. Les bananes, elles sont ici, attends. Et là, c'est les pop-pommes. Voilà, là, on va mettre des pop-pommes. Nickel. Et là, bah, on n'a plus qu'à attendre, mais franchement, ça augmente vite quand même l'argent, là. En fait, c'est moi depuis tout à l'heure qui pète un câble. En fait, là, cette quai, c'est ce que j'ai actuellement. Et il me faut 8 quais pour avoir justement le level 2. Et comme je vais bientôt les avoir, bah, vous savez quoi, je vais le level 2. En fait, c'est moi qui ai pété un câble, qui ai bugué. Ok, et le level 3, c'est 17 quais. Mais les 8000 là, du coup, je vais les avoir. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai trop envie de passer level 2, avoir mes récompenses et tout. Parce qu'en plus, je vais avoir des trucs plutôt pas mal. Parce que quand même, t'as pas mal d'étagères là. Ah, attends. Ah, bah non, ils ont changé. Voilà, c'est moi qui bug ou là, ça a réellement changé en fait. Je sais pas. J'en sais rien. Je crois que c'est moi qui pète un câble. Parce que j'étais persuadée qu'il y avait des espèces de trucs là où je mets des fruits que ça me proposait. Du coup, oh, je suis level 2 là, non? Attends, je peux ramasser enfin la poubelle. Enfin. Je sais pas pourquoi, par moment, je ne peux pas et par moment, je peux. Parce que depuis tout à l'heure, du coup, j'ai envie de ramasser. Et... Ah, quand même. Quand même, quand même. Et du coup, là, je suis level 2, c'est bon? Quoi? Attends, pourquoi mon... Je suis passé à 6000 alors que je suis à 8000? Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai pas compris, là. En fait, le jeu veut pas que je passe le level 2, je reste bloquée. Ou alors, je sais, c'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est la valeur des objets que j'ai dans ma boutique. Je pense que c'est un truc du genre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un truc comme ça que je vais mettre ici. Voilà. Et comme ça, ça va me permettre de remplir ces babales. Voilà, comme ça, ça va me permettre vraiment d'avoir plus de stock. Et logiquement, la valeur, du coup, serait plus grande. Donc, je pense que c'est ça. Après, je peux me gourer, mais alors totalement. Mais dans tous les cas, je vais faire le stock. Attends. Merde, j'ai acheté deux fois. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Comme ça, déjà, c'est pas mal. Du coup, là, on remplit. Bim. Là, on remplit. Là, du coup, je peux remplir ce qui manque. Là aussi, bon, il manque pas beaucoup, mais bon, au moins... Hop. Attends, j'ai changé sans faire exprès. Bon. C'est pas grave, je vais modifier après. Hop, hop. Attends, on va mettre les beach balls. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et là, du coup, la valeur devrait être plus... Eh ben voilà. Sauf que maintenant, je dois avoir deux plots of land. Mais je sais pas... Ah, peut-être c'est dans shop. Non. Parce que j'aimerais bien... Ah, bah oui, bien sûr. Bah bien sûr. Bah voilà. On comprend mieux maintenant pourquoi. Ok, c'est comme ça. Oh, c'est délire. C'est délire. Par contre, comment je quitte? C'est bon? Et là, logiquement... Faut que je recommence. Ok, c'est bon, je suis level 2 là, non? What? Pourquoi des fois je suis level 2 et des fois je suis pas level 2? Je comprends rien, hein, je vous assure. Si, là, je suis level 2. Your store level 2. Voilà, c'est bon. Je suis level 2. Ok, c'est bon. Ce que j'allais dire, attends, je peux vendre des ananas. Donc, ok, donc c'est bon. Et là, du coup, il faut 17 000. Et il faudrait que j'agrandisse, du coup, mon épicerie. Du coup, bah, j'en ai pas de ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, du coup? J'ai des jus. Donc, je suppose des jus de fruits. Et bah, j'ai rien d'autre, en fait. Le reste, il faut que j'achète. Ah, il faut que j'achète, hein. Bon, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Store Empire. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.